Bonjour, bonsoir à tout le monde qui va regarder la vidéo. Ça va dépendre de que nous allons regarder là. C'est une nouvelle qui est vraiment triste, mais nous sommes obligés de côté de vous. Parce que malgré la nouvelle là, elle est triste, mais la vidéo, vous êtes capable de prendre une belle proportion. Dans le moment où on a parlé, il y a un pile d'Haïtiens qui ont des difficultés dans le pays du Mexique. Il y a un pile d'Haïtiens qui vivent en danger. Il y a un pile d'Haïtiens qui vivent menacés dans le pays du Mexique. Nous ne connaissons pas pour quelle raison ça a fait, mais moi-même, je ne parle pas de l'autre que depuis. Les ont assassiné le président Jovenel Moïse, non? Eh bien, nous ne venons pas gagner valeur devant nous. Qu'est-ce qui a passé? Dans le moment où on a parlé, il y a kidnappé un pile haïtien au Mexique. Nous sommes capables de constater. Depuis les tirs président, depuis les haïtiens va bien valer devant. Eh bien, dans le moment où on a parlé, il y a un pile haïtien la vie en danger dans le pays du Mexique. Il commence à kidnapper les haïtiens dans le pays du Mexique. Ce n'est pas triste, mais on ne peut pas voyager. Capo au Mexique là, prend pile proportion. Même genre, artiste pays nous ont dit, cherche la vie, détruit la vie. C'est situation pays nous qui fait nous obliger, quitter côté vivre, côté nous faire, côté papa de Saline, Toussaint, Christophe, t'es boumé pour nous, nous obliger laisser pour nous vivre la caille blanche. Mais il est possible pour capable garder vidéo ça pour capable partager parce que bien pile haïtien dans moment qui n'a pas là qu'à voyager pour connaître ça qui arrive. Mais c'est depuis les outils président nous venons ouais nous perdre plus valeur. Même pas garder vidéo ça maintenant nous capable partager parce que vie haïtien vie frais vie c'est haïtien nous il est en danger dans pays Mexique. Qui est le président mexicain qui a dit ça? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas un président dans le moment? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas un représentant qui nous parle pour nous qui fait que nous-mêmes nous arrivons à kidnapper? Nous vous reconnaissons. Nous avons bien le prince qui vit au Mexique dans le moment. Monsieur lui-même, dans le moment, vit par en danger. Si on côté, il est obligé. C'est le poli pour ne pas être victime dans le moment où il n'a pas fait. Je suis capable de regarder la vidéo. Ça, Béoli, même il y a plus d'informations que nous pouvons partager ensemble avec vous. Continuez à regarder la vidéo et puis faire la vidéo, faire le tour du monde. Parce que vivre nous, vivre nous, n'est pas en danger dans le pays du Mexique. Merci à vous. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Comment vous êtes? Et ma fête pour une vidéo ça bien après pour faire tout le monde connaît que tout haïtien qui fait route Mexique là qui besoin entre États-Unis pour éviter route éviter frontière madame Los OK éviter frontière madame Los parce que les gars font un peu de kidnapping il y a qui fait ça kidnapper plusieurs haïtiens là et là d'ailleurs qui sont venus de justesse c'est à dire que on a pas dit tout le monde pour éviter route madame Los mes amis faire l'autre route OK faire l'autre côté parce que je ne travaille pas du tout. Même étant là, moi, je suis caché dans la caille. Ok, je suis caché dans la caille, je ne peux pas sortir. Ils sont sur un côté que. Et parce que toute machine, c'est plaque Texas sur rien. Et puis, il y a des machines qui ne sont pas plaque du tout. Et je vais prendre des noms pour partager vidéo, ça, pour faire. Et pour faire tout le travail ici, on ne peut pas mettre les pieds dans ce monde parce que je ne travaille pas du tout. Ok, je ne travaille pas du tout. Et. Il y a des navires haïtiens, il y a des tueurs haïtiens. J'espère que la vidéo, la partage de vidéo, ça, et qu'on va faire tout le monde.
zone ça. C'est bien, Prince. Merci. Ciao, ciao.